pick you up and boom, boom, boosh you, boom, boom, boom me. I'm the only one that you know. Life could be a dream, sweetheart. Oh, 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 life could be a dream. And I've been down, planned you come to. And I've been down, spent my whole life loving you. Life could be a dream, sweetheart. C'est très inventé. Hein. Je dirais que je me suis un peu nourri de littérature nordique quand j'étais jeune. Ma mère nous a lu, à ma sœur et à moi, Nils Holgersson, qui m'a énormément marqué. Je me suis pas mal renseigné sur les Vikings parce que j'ai fait une série pour les ados qui s'appelle Björn le Morfyr et qui se passe chez les Vikings. Mais je suis très très libre par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est une base. Et puis là-dessus, je brode complètement. Tous les types de gnomes et tout ça, c'est complètement inventé. Donc oui, non, c'est pas vraiment clairement inspiré du folklore nordique. J'avais pas tellement cette idée-là. En fait, c'est un album assez particulier parce qu'il est inspiré de ma vie, puisque j'ai une sœur adoptive qui s'appelle Mikyong, qui est originaire de Corée. Et un jour, ma mère m'a dit, tu sais, Mikyong, quand elle est arrivée en Belgique, puisque je suis belge, elle avait 6 ans, ça a dû être comme d'arriver sur Mars. Et ça m'a fait vraiment un tilt. Je savais que ça avait dû être quelque chose de très fort, d'être transplanté comme ça de Corée vers la Belgique, mais je ne me rendais pas compte à quel point. Et c'est cette petite phrase qui m'a fait accéder à un niveau de compréhension de ce qu'avait vécu ma sœur plus grand. Et alors je me suis inspiré de cette phrase. Tu sais, Mikyong, ça a dû être comme arriver sur Mars de venir en Belgique pour créer cet album. J'ai suivi cette idée. Si vous voulez. Il y a un livre qui m'a énormément marqué, c'est un album. En fait, quand j'étais jeune, chez moi, il n'y avait pas tellement d'albums. Et on n'en achetait pas tellement parce qu'en fait, on lisait des BD. Ma sœur et moi, on lisait des BD. Mais il y avait quand même quelques albums assez anciens qui avaient appartenu à mes grands frères, voire à mon père. Et il y en a un qui m'a énormément marqué. Ça s'appelle « Samovar et Baculo, la parade des Diplodocus ». C'est un livre qui était écrit et dessiné par Sami Vell, un auteur assez oublié malheureusement aujourd'hui, mais c'était complètement dingue. Ça se passait donc à la préhistoire, mais avec des dinosaures tout à fait barges. Les personnages de Sami Vell ont généralement des pièces de vêtements, comme ça, comme si, même sur leur peau, hein, même sur les rochers, il y a des pièces de vêtements un peu bizarres. Les couleurs sont complètement dingues, des oranges improbables. Enfin bon, c'est un album qui, pour sa folie, vraiment pour sa folie et sa beauté aussi, parce qu'esthétiquement c'est magnifique, m'a énormément marqué. Malheureusement, il n'est plus trouvable. J'ai essayé de l'acheter sur eBay, mais c'était 600 euros. Donc bon, je ne l'ai pas acheté. Mais enfin, j'ai réussi à obtenir une très belle photocopie de l'album par un ami qui, lui, le possédait.